Et nous voilà donc de retour pour le Take the Control, la finale des Loser Bracket. Ce sera donc entre AOFD Kenshiro Isongi et Shira Stunfest et Rose. Le perdant jouera la troisième place du Take the Control, tandis que le gagnant ira jouer contre FFZ Vince pour la grande finale. Et allez, on est parti entre les deux joueurs et directement à la chope de Shiraz. Et le Soul Spark derrière avec son bon, le combo bien placé. Déjà de bon, un très très bon départ de la part de Shiraz qui met sa balayette. Et encore une, la deuxième. La chope qui a été bien esquivée avec les backdash. Et il continue avec les spirales. Il passe de l'autre côté des chopes. Là ça prend un insolite Spiral X. Le Soul Spiral X qui passe. Il passe de l'autre côté. C'est un bas gros point le Spiral. La Shiraz est très performant, il ouvre la garde à chaque fois de Kenshiro. Et il place des combos, il fait vraiment très mal sur ce premier round. On va voir comment Kenshiro va réagir sur ce deuxième round. Et là, directement Shadow Kick. Il essaie d'en sortir, il faut qu'il arrive à placer des co-targets, déployer son jeu actuellement, être moins défensif. Tandis que Shiraz lui met les spirales, il va punir le balayette derrière. La balayette de nouveau, il met des dashs, des chops. Le balayette encore, il passe de l'autre côté actuellement Kenshiro. Il essaie de trouver l'ouverture et là il se fait choper, il se fait renverser dans le coin. Voilà, ça y est, il a passé le truc après coup. Là c'est lui complètement brisé. Et de nouveau la chope pour l'enfermer et le cross-up bien gardé. La chope de nouveau. Et voilà, Shiraz domine actuellement cette finale des Loser Bracket. Il est très très bien, il lit parfaitement le jeu de Man Game. Il est dedans. Et là on est parti sur le deuxième set. Il faut que Kenshiro retrouve au plus vite son jeu avant que ça devienne très très compliqué. Après l'incident psychologique est très puissant, très fort. Et c'est dur d'en sortir. La déchoppe là. Kenshiro part plus doucement. Aïe aïe, bon, il a pris le gros point. Et il passe de l'autre côté. Le Shadow Kick qui passe. Et il met la garde, il n'est pas bien actuellement. Il place pas ses combos. Il met le Shadow Kick de nouveau. Il essaye d'ouvrir avec l'Izuna actuellement. C'est une backdash. Oh là là, bien joué ça, Spiral X. Et le Cell Bukaku X. Le Soul Spiral X encore. Il essaye d'ouvrir la garde, la double touche. Ça cherche l'ouverture. Et ça y est, ils sont là, les Soul Satellites. Et il les a détruits tranquillement avec ce MK. C'est ce qu'il fallait faire. Oh là là, le Soul Spiral qui casse l'Izuna. Il a vraiment du mal actuellement. Et le Soul Spiral X. Et le Soul Spiral de nouveau. Il gratte, il fait mal. Et le Soul Spiral de nouveau. Et il sert le POC. Le saving, et oui, il va lui passer l'ultra. Bien vu ça, Kenshiro. Le membre de la team AOF gagne le round. Actuellement, Shira Stunfest a quand même bien joué. Il a voulu punir. Et sur le coup, il s'est précipité. Il se prend l'ultra. Mais il a quand même fait un très bon round. Allez, la glissade des deux côtés. Le Shadow Kick qui ne passe pas. Le target. Lizuna pour essayer de le faire. Et le saving bien utilisé. Pas combo derrière. Et là il prend le target. Et il continue à mettre la pression. Le target qui stun. Là il est beaucoup mieux. Il place la série de pop. Et la super. Il s'est fait plaisir. Magnifique. Quel retour de situation de la part de Kenshiro qui était groggy au début du match. Et que tout à coup il a repris confiance en lui. Voilà, il remporte le set. Et allez, on est parti pour ce deuxième qui va être maintenant chaud bouillant entre les deux. Le Soul Spiral qui ne passe pas. Et il attend la balayette derrière la Shiraz. Il fait ouvrir sur Izuna mais il n'a pas enchaîné. Kenshiro, c'est dommage. Les séries de pop qui passent. Le Spiral dans la garde. Il ouvre le MK seulement. Juste pour mettre à distance. Je donne une autre déjà. Ça y est, il lui place Izuna Atoshi. Ça cherche Shadow Kick un petit peu court. Et les Soul Satellites arrivent. Oui, le Shadow Kick au bon moment. Bien bon. Et encore l'overhead qui passe. Il fait mal actuellement. Kenshiro. Les séries de pop qu'il aurait pu placer son combo. La Shiraz, il lui manquait pas grand chose. Le balayette encore qui passe. L'entière. Il passe de l'autre côté. Et il continue à mettre des balayettes. La déchoppe. Et il lui place la chope derrière, le malin. Shadow Kick avec le saut. Oh là, bien joué avec cette chope derrière. Les Soul Satellites sont arrivés. Attention parce qu'il est en saut. Il a voulu l'attraper, il en touche un. Il essaie de le placer avec des spirales. Bien joué ça. Et le Shadow Kick qui met à terre. Et voilà, premier round du troisième set remporté par Kenshiro. Et allez, on est parti pour le deuxième round.
Le shadow kick directement. Attention parce que les Kachiroir a une barre de vie pleine. Le spiral qui passe. Et il essaie de mettre la presse avec cette balayette. Et 8 places, ça chope. Et le cross-up qui passe. Et Ritpok, il a voulu encore insister dans son combo. Le spark qui ne passe pas. Il essaie d'ouvrir la garde actuellement. Les deux joueurs cherchent les jeux. Ça, c'est Zuna Otoshi qui passe bien. Le target dans la garde. Et il lui place la chope. Il enferme dans le coin. Il va pouvoir travailler. Ah, il a raté son dragon. Il prend la super. Là voilà la barre du X bien utilisée. Et voilà le close gros point. Et voilà donc qui permet à OF de Kenshiro d'aller jouer la grande finale face à FFC Vince. Tandis que Shira Stunfest ira jouer le match de la 3ème place face à CRZ Dr. J. Donc rendez-vous pour la suite du Tech The Control pour le match de la 3ème place. A très très vite et que l'esprit des combos soit avec vous.